إخوان وأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على محمد وتقي الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. Les 14 infaillibles, 17e partie, toujours la biographie de l'imam Hassan alayhi salam. Nous en sommes à la relation d'imam Hassan alayhi salam avec son père, autrement dit l'imam Ali alayhi salam. L'imam Ali alayhi salam a eu un impact important dans la vie d'imam al-Hassan alayhi salam. L'imam al-Hassan observait les sacrifices que ses parents faisaient en tant que couple. Un enfant observe toujours et s'imprègne de la relation que ses parents entretiennent. S'agit-il d'une relation saine? Utilise-t-il un ton doux dans leur conversation? Y a-t-il des disputes et des cris constamment à la maison? Beaucoup d'enfants sont psychologiquement perturbés de voir leurs parents se battre tout le temps. Imam al-Hassan alayhi salam disait: je voyais ma mère et mon père unis et en harmonie l'un avec l'autre. Ils formaient la plus belle union d'individus en mariage. Imam al-Hassan alayhi salam raconte: une nuit, alors que Hossein et moi-même étions malades, mes parents étaient inquiets et demandèrent au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au prophète, que devons-nous faire? Hassan et le Hussein, salawatullah alayhima, sont malades. Faites le vœu de jeûner 3 jours s'ils vont mieux. La première nuit, alors que nous étions sur le point de rompre le jeûne, quelqu'un frappa à la porte. J'entendis ma mère et mon père dire: qui que ce soit et quoi qu'il veuille, nous le lui donnons. Nous le lui donnons. Je vis mon père aller ouvrir la porte. La personne à l'extérieur dit aux familles du prophète: je suis orphelin. La nuit suivante, il en fut de même. Un homme dit: je suis un voyageur. Et la troisième nuit, un homme dit: je suis un prisonnier. Les 3 nuits, je vis mes parents donner leur part de nourriture, aller se coucher le ventre vide. Il n'est pas possible de compter le nombre de sacrifices que cette famille a fait, que ce soit en termes de nourriture, d'argent ou de leur propre vie. Ce fut alors que le verset de la sourate Ad-Dahr, sourate Ad-Dahr, c'est la sourate Al-Insan. Dar, c'est un laps de temps. Ça commence comme cela, c'est pour ça que c'est appelé sourate Ad-Dahr, mais c'est appelé aussi la sourate de l'être humain. Ce fut alors que le verset de la sourate Ad-Dahr fut révélé, où Allah parle d'un groupe de gens qui donnent par amour pour Allah sans rien attendre en retour des gens. Ah, voilà, encore une fois, une contradiction par rapport à ce qu'il avait dit précédemment avec Fatima Tazahra alayhi salam dans la biographie de l'imam Hassan alayhi salam. Quand la dame était venue la voir et qu'après elle a dit, quand elle a dit: ouais, je te dérange pas, elle a dit: j'espère une récompense très très grande, équivalente aux cieux ou bien à la terre, j'ai oublié exactement. Alors que là, il dit l'inverse. Un groupe de gens qui donnent par amour pour Allah sans rien attendre au retour des gens. Effectivement, et même dans Sourate Ad-Dahr, Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge de l'Ahlul Bayt en disant ça. Nous ne voulons que la face d'Allah, nous ne demandons rien. Imam al-Hassan alayhi salam voyait donc que les sacrifices que ses parents faisaient venaient du cœur. Bon, cette phrase, il aurait peut-être pu s'abstenir de dire cela, mais bon, ça va venir d'où? Il parle des imams quand même, alayhi salam, de Ahlul Bayt, des infaillibles. Le premier grand événement pour l'imam Hassan alayhi salam se présenta lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'emmena avec lui à l'occasion du Mubahala, lorsqu'il alla à l'encontre des chrétiens de Najran. L'imam al-Hassan alayhi salam avait 6 ans et l'imam Hussein en avait 5. Ces chrétiens étaient étonnés, ils n'arrivaient pas à croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait amené des enfants de 5 et de 6 ans, un événement où Allah allait envoyer sa malédiction sur les mécréants. Cet événement se produisit un an et demi avant le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'aurais pu dire le martyr, mais bon. Exactement un an avant le jour de Radia. Lorsque Mubahala a eu lieu, beaucoup de compagnons du prophète pensaient qu'il allait les emmener avec lui. Mais lorsque le prophète emmena sa famille, il dit: quand il s'agira de sacrifier pour la religion un jour comme Mubahala, ou n'importe quel autre jour après Mubahala, ce sont les 5 dont vous devrez vous inspirer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pris Imam al-Hassan et Imam al-Hussein, salawatullah alayhi wa sallam, avec lui comme ses fils, comme le Coran dit: emmène tes fils. Ainsi, Imam al-Hassan a bénéficié d'années glorieuses les 8 premières années de sa vie. Puis tout à coup,
Il commença à être touché par les épreuves de la vie. Son grand-père, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, décéda. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi il dit pas, il tomba martyr. On raconte que lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était à l'article de la mort, bon, encore une fois, il y a toujours un problème de traduction en vérité. Qu'est-ce que ça veut dire l'article de la mort? Il aurait pu dire était proche du décès ou quelque chose comme ça. Parce que mort, c'est Abou Bakr qui a dit ça. Le prophète est mort et ceux qui adoraient Allah, il est le vivant. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne meurt pas, bien sûr. Et en vérité, aucun être humain ne meurt jusqu'à que Azraphil, l'ange de la mort, souffle dans la trompe, et cela avant le jour de la résurrection. Sinon, c'est uniquement notre corps qui n'est dépéri. Mais bon, le jour où on arrivera à changer et à comprendre certains termes, ça serait magnifique, Inch'Allah. On raconte lorsque le prophète était à l'article de la mort et qu'Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Parce que justement, les Ahlul Bayt ne sont pas comme nous. On parle de mort, je ne sais pas comment. Ils sont vivants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est vivant. Vous pouvez parler avec le prophète de nos jours. Et d'ailleurs, je l'avais dit dans le commentaire de Doha Notba. On raconte que lorsque le prophète était à l'article de la mort, Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam va retirer Imam al-Hassan du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non, non, laissez-moi m'imprégner plus de son odeur et lui plus du mien. Puis quelques mois après seulement, Imam Hassan alayhi salam vit sa mère Fatima alayhi salam battue par les compagnons et finalement mourir devant lui. C'est pareil, mourir, mais bon. Et quand même qu'elle a été battue par les compagnons, c'est bien. Ces images l'accompagnèrent pendant des années. Il n'avait que 8 ans à l'époque. Tous les livres de hadith racontent que lorsque les compagnons virent cogner à sa porte, Fatima alayhi salam dit c'est la maison de la fille du prophète. On lui répondit, et alors, nous viendrons mettre le feu à la maison. Les livres de hadith mentionnent clairement contre qui Fatima alayhi salam était en colère lorsqu'elle décéda. Après le décès de Fatima alayhi salam, beaucoup de responsabilités incombèrent à Imam Hassan alayhi salam pour être un modèle et un père pour son plus jeune frère Hossein et ses deux plus jeunes sœurs, Zainab et Koulsoum. Pour moi, encore à la limite, tu dis décédé une fois, mais quand tu répètes décédé, 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 il y a quand même une tentative indirectement de plaire au mukhalifin. Tu ne parles pas de martyr, c'est quand même un grand problème. Pourquoi tu ne parles pas de martyr? Ça, c'est comme certains des batria que je connais. Tu leur dis le martyr du prophète, il te dit, nous on dit, alors, ça m'est déjà arrivé, il dit, nous on dit le décès. Le martyr de Fatima Zahra, nous on dit le décès. Vous êtes complètement conditionné en fait. C'est complètement ridicule. Mais bon. La doctrine passe avant tout, avant la réalité. Allahu Akbar. Un des plus grands mythes à l'égard de l'imam al-Hassan alayhi salam vient des gens qui disent imam al-Hassan n'était pas aussi fort qu'imam Hussein alayhi salam. Il n'avait pas autant de courage qu'imam Hussein. Imam al-Hassan alayhi salam était friand d'une vie facile. Il aimait rester à l'écart des champs de bataille. Au contraire, aux batailles de Jamal et de Tsifin, donc dans la bataille du Chameau et de Tsifin, nul n'était plus important qu'imam al-Hassan alayhi salam sur le champ de bataille. Avant la bataille du Chameau, Imam al-Hassan alayhi salam délivra un discours puissant aux musulmans qui les motivèrent à venir se battre aux côtés d'Imam Ali ibn Abi Talib. Ça, c'est très bien. C'est très bien de parler de ça. C'est important parce que c'est vrai que l'Imam Hassan alayhi salam est souvent mis de côté. On parle toujours de l'héroïsme de l'Imam Hussein alayhi salam. Mais ces sujets-là, on n'en parle pas alors qu'il était présent dans les champs de bataille, comme il vient d'être dit. Lorsque Abu Moussa al-Ash'ari, l'arnatullah alayh, c'est moi qui le dis, hein, lui il le dit pas. Mais on le maudit, bien sûr. Était à Koufa. Il disait aux gens de ne pas se battre aux côtés d'Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Il les enjoignait à rester à Koufa. Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam dit à l'imam Hassan alayhi salam, Hassan, va avec Amar ibn Yasir, radhiyallahu anhu, dis-leur qui je suis. Imam Hassan alayhi salam délivra un discours puissant. Où il dit aux gens de Koufa, avez-vous oublié le jour de Radir lorsque mon père a été choisi? Avez-vous oublié ce que mon père a donné à l'islam lorsqu'il était jeune? Abad, Uhud, Khandaq, Khaybar et Honayn. Et à présent, ces gens viennent se battre contre mon père et vous restez assis ici. Il rassembla les troupes le jour de la bataille du Chameau, le jour de Jamal, Imam Hassan alayhi salam, Malik el-Ashtar, Mohammed ibn Abu Bakr, Mohammed ibn Hanafiya et bien d'autres étaient en première ligne de combat sur le champ de bataille. Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam dit à son fils Mohammed ibn Hanafiya, dont la mère était Khola bint Jaafar, ô Mohammed, vois-tu ces soldats, même si leurs flèches se dirigent vers vous, restez aussi fermes que les montagnes.
Mohammed ibn Hanafi était un vaillant guerrier, il partit au combat et revint peu de temps après vers Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam et dit: Mon père, je ne peux pas continuer. Pourquoi? Dit l'imam. Car les épées sont tranchantes et elles s'abattent sur vous. Imam le regarda et dit: C'est la différence entre tous les fils et les fils de Fatima Tazahra alayhi salam. Car les épées sont tranchantes et elles s'abattent sur nous. Imam le regarda et dit: C'est la différence entre tous les fils et les fils de Fatima Tazahra alayhi salam. Pourquoi? Regarde Hassan alayhi salam. Si je les laisse sur le champ de bataille, ils vont anéantir l'armée. Lorsque Imam Ali ibn Abi Talib dit une chose à propos de quelqu'un, vous pouvez être sûr qu'Imam Ali ibn Abi Talib connaît ce soldat. Mais durant la bataille, Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam continue à rappeler Imam Al-Hassan alayhi salam. Et lorsque Imam Hassan demandait: Qu'y a-t-il, mon père? Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam répondait: Hassan, reste en arrière, tu es l'imam après moi. Imam savait que son fils était toujours au milieu de la bataille et qu'il était si brave que personne ne voulait l'approcher. De même à la bataille de Siffin. C'est quand même étonnant quand même que l'imam Hassan alayhi salam, l'imam Ali alayhi salam, lui dit de rester en arrière. Mais bon, on va dire que c'est pour le préserver, malgré qu'en réalité, l'imam Ali alayhi salam sait déjà d'avance quand il va tomber martyr, empoisonné par sa femme, comme vous le savez très bien. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout en sachant que Sayyid Amar Nakhchirani prend pas, on ne peut pas savoir de qui il prend. Vous avez très bien vu que 80% de ses sources sont des sources orientalistes, comme il a dit au départ, et des mukhalifin. Hein? Donc ça reste problématique. Surtout dans les sujets historiques. Dans les sujets historiques, il prend des mukhalifin. De même, à la bataille de Siffin, Imam Hassan alayhi salam fit un tel effet dans la bataille qu'Obeidullah ibn Omar ibn al-Khattab essaya de soudoyer. Les ennemis disaient: Si tu peux détruire Ali, Hassan et Malik al-Ashtar, tu peux gagner. Obeidullah vint voir Imam Hassan alayhi salam de la part de Muawiya et dit: Hassan, écoute, les Arabes détestent ton père parce qu'il a tué beaucoup de leurs pères quand il était jeune. Prends cette enveloppe et rejoins-nous. Nous veillerons à toi comme nul autre. Un homme comme moi rejoindre un homme comme toi, dit Imam Hassan alayhi salam, un homme comme moi quitterait un père comme mon père, tu vas bientôt mourir. Et Obeidullah périt près de temps après. À Siffin, lorsque l'imam Ali ibn Talib se confronta à Soleyma el-Khouza'i, l'imam lui dit: Soleyman, j'espérais que tu serais fidèle à nous. Imam, pardonnez-moi, dit Soleyman, mais je suis dans le camp adverse maintenant. Mais je pensais que tu serais du mien. Soleyman alla voir Imam Hassan alayhi salam à Siffin et lui dit: Hassan, regarde comment ton père me parle. Pourquoi est-il si en colère contre moi? Lorsque mon père aime quelqu'un, il est déçu quand il voit qu'il n'est pas fidèle. Calmez-vous et ne soyez pas en colère. Imam Hassan alayhi salam avait cette influence de calmer les esprits à la bataille de Siffin et les gens s'en inspiraient lorsque les temps devenaient durs. Sur le champ de bataille, ça aussi, ça, quand on regarde bien, c'est aussi une histoire problématique. Regardez. Donc, Soleiman se vient de se plaindre de l'imam Ali, alayhi salam. Il se plaint de l'imam Ali que l'imam Hassan connaît très bien. Il sait très bien qu'il a un imam infaillible, qu'il ne fait rien sous l'effet de la passion, comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit: Lorsque mon père aime quelqu'un, il est déçu quand il voit quelqu'un qui n'est pas fidèle, calmez-vous, ne soyez pas en colère. C'est-à-dire, en gros, tu es en train de dire presque que Soleiman, quand il se plaint, tu n'acceptes pas, mais tu acceptes légèrement que Soleiman se plaint, en fait. C'est quand même très très bizarre. Franchement, j'arrive pas à comprendre. C'est moi qui dois être un peu trop extrémiste, à mon avis. Selon certaines personnes. Sur le champ de bataille, lorsqu'ils voyaient Imam Hassan quelque part, ils allaient vers lui et restaient à ses côtés pour se soulager. Lorsque la bataille de Siffin s'acheva, Imam Hassan alayhi salam était très déçu. Il observa les gens à Siffin. D'un côté, il vit une personnalité comme son père, et de l'autre, Muawiya. Les gens avaient laissé un homme qui avait tout sacrifié pour la religion pour joindre un homme dont le père voulait détruire la religion. Regardez, regardez. Et je pense que c'est ce que je vous avais dit. Là, vous allez voir une erreur parce que je me rappelle de ce sermon que j'avais vu en vidéo sur l'imam Hassan.
Au moment d'arbitrer Hassifi, l'imam Hassan et Salam regarde Abu Moussa al-Ash'ari, puis les gens, et dit: vous choisissez Abu Moussa al-Ash'ari? Si Omar ibn al-Khattab pensait qu'Abu Moussa était bien, il l'aurait inclus dans un choura. Et Abu Moussa veut choisir Abdullah ibn Omar. Si Abdullah ibn Omar était bien, son père l'aurait élu. Regardez, regardez cette grande problématique. C'est-à-dire, en gros, l'imam Hassan alayhi salam nous dit que le jugement de Omar est bon. Vous choisissez Abu Moussa al-Ash'ari. Si Omar ibn al-Khattab pensait qu'Abu Moussa était bien, il l'aurait inclus dans un choura. Est-ce que Omar ibn al-Khattab est une source de jugement, comme quoi telle ou telle personne est bien? Et Abu Moussa veut choisir Abdelham Omar. Si Abdelham Omar était bien, son père l'aurait élu. Depuis quand Omar est une source de bien? Subhanallah. Et là, on voit vraiment que toi, Sayyid Amar Nakshawani, que tu le veuilles ou non, que vous le voulez ou non, est une source d'égarement, en vérité. Si quelqu'un creuse bien, il y a des réels problèmes dans ce qu'il est en train de raconter. Mais nous, on consomme. Généralement, on lit sans réfléchir. Subhanallah. Je continue. Quant à vous, les Khawarij, vous dites qu'il ne devrait pas avoir d'arbitrage. La bravoure ne se mesure pas à l'épée. Parfois, vous devez être brave par la parole aussi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a-t-il pas choisi Saad ibn Mu'ad pour arbitrer avec les Banu Qurayda? Alors pourquoi parlez-vous de ne pas arbitrer? Mais malheureusement, les Khawarij quittèrent le camp de l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Et la 40e année après l'Hégire, Imam Hassan alayhi salam vit son père abattu par un membre des Khawarij, Abdurrahman ibn Munjin, la'anatullah alayhi. Imam Hassan fut très affecté par le décès de son père pour diverses raisons. Il dit abattu, mais bien sûr, il ne dit pas tombé martyr. Je ne sais pas c'est quoi son problème par rapport à ça. La première raison était la valeur sentimentale qu'un fils accorde naturellement à son père. Et peut-on seulement imaginer ce que c'était que d'avoir un père comme Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Personne ne peut atteindre Ali ibn Abi Talib alayhi salam en termes de chaleur, de générosité et de justice. Personne ne peut se comparer à lui. De même, on doit se rappeler que Fatima alayhi salam décéda, encore une fois décéda, alors que ses parents étaient très jeunes. C'était donc Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam qui avait élevé Imam Hassan, Imam Hussein, Sayyida Zainab et Sayyida Umm al-Kulsum alayhi salam. La deuxième raison était qu'il avait vu son père dire: si Abdurrahman ibn Munjim a soif, assurez-vous qu'on lui donne à boire, et s'il a faim, donnez-lui à manger. Et si son seul coup finit par me tuer, vous aussi, vous ne l'assommerez qu'un seul coup. Ne mutilez pas son corps, car le prophète a dit: ne mutilez même pas le corps d'un chien enragé. Combien il a dû être difficile pour l'imam Hassan de vivre après le départ d'un tel père. Vous imaginez, il cite deux raisons. Deux raisons. Pourquoi l'imam Hassan est affecté par le décès de son père? Donc il nous dit la valeur sentimentale qu'un fils accorde à son père. La deuxième raison, c'est comme quoi il a été touché par ce qu'il avait dit à Abderrahman ibn Munjim, l'imam Ali alayhi salam. Il ne parle même pas que la première raison, la raison principale, entre autres, l'imam Hassan alayhi salam est un homme divin. L'imam Hassan est touché parce que c'est Amir al-Mu'minin, pour sa valeur de imam infaillible, le premier des Ahlel Qissa. Non, des raisons fallacieuses, qui sont secondaires, qui peut-être existent, mais sont totalement secondaires. Vraiment, c'est bizarre. Je ne comprends pas, moi. Je ne comprends pas du tout. Imam Hassan et Salam dit: je suis allé enterrer mon père, je vis un homme pleurer sur le chemin du retour, je le vis et lui demandais: cher homme, qu'est-ce qui ne va pas? Toutes les nuits de ce mois sacré, un homme venait m'apporter à manger, mais ça fait maintenant 3 nuits qu'il n'est pas venu. Je ne sais pas qui était cet homme, je pleure parce que je m'étais habitué à le voir, m'apporter à manger. Donc voilà, c'est la fin du majlis. Donc là, il faut toucher l'assemblée encore une fois. Il a raconté n'importe quoi dans plusieurs endroits de ce discours. Et là, voilà, nous allons pleurer un petit peu, c'est ça. Je me mis à pleurer en lui disant: il s'agissait de mon père, Ali ibn Abi Talib, alayhi salam. Il regarda vers moi et dit: où était-il ces 3 nuits? Ibn Mounji l'a battu, je viens juste de l'enterrer. Non, je me suis trompé, ce n'est pas la fin. Mais bon, c'est toujours pareil. Donc c'est encore long, hein. Là c'est l'imam Hassan après avec le traité de Mouawiya. Ce qui est très étonnant, regardez mes frères et mes sœurs, nous sommes à la page 71 du livre. Nous s'en sommes qu'à l'imam Hassan. Donc ça veut dire qu'en gros, ce que j'ai compris moi, c'est que disons il va faire au moins 100 pages pour les Halel Kissa. Et le reste... Donc,
10 autres imams, il va faire 100 pages. Les 9 autres imams, pardon. C'est-à-dire que là, vous voyez très bien que, en fait, au lieu de nous apporter des choses sur les imams qui ne sont pas souvent évoqués, il va passer très rapidement. Voilà, Kolihad, c'est habituel, mais bon. Je vais m'arrêter ici. Inch'Allah, la prochaine fois, ça sera Imam Hassan et le traité avec Mouawiya. Je pense que je pourrais. Non, même pas. Je ne pourrais pas finir la prochaine fois. Son discours est très long. Il est possible que je termine tout suivant le temps, mais il me reste encore 3 chapitres à traiter. Inch'Allah, la 18e partie prochainement. Yaktafi, Bi'ad al-Qadr, wa sallallahu alayhi wa sallam, wa salamu alaykum wa rahmatullah.